Bon, bah mes fratés, ça y est, hein. On est passé, on n'a plus que la gaine là. On a enlevé un truc, on passe un step, un mois nouveau step. Par contre, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai encore mal, hein. Tu vois, avec mes jambes, je suis à l'aise, avec mes bras, je suis pas à l'aise, hein. Tu me dirais, il n'y a rien à voir. Je suis pas fait opérer des jambes. Je me suis pas fait opérer des bras non plus. Mais les bras, peut-être que je sais pas. Ah, faut. Bon, allez, frate, je suis content. Du coup, bah, j'ai changé ma gaine. Bon, là, j'en ai une nouvelle. Je vous montrerai ça plus tard. Là, je me suis fait un petit saut chez le coiffeur. Du coup, on va un peu rafraîchir la barbe. Les cheveux, on laisse pousser. Toujours, on garde l'objectif. Et la barbe, on va essayer un peu de la cliner, tu vois, faire des lines. Voilà. Voilà les fratés de tournage là. Voilà, le fraté il est là. Eh oui, ça tourne, ça tourne. Mais on est sur le finish là. Ça y est. Comme vous savez, les fratés, ça arrive le 3 juillet sur W9. Voilà. 3 juillet sur W9. Pendant 2 mois, je crois. 2 mois. On sera avec vous donc tous les soirs. Voilà, on vous a manqué. On est de retour. Ça fait, si je me trompe pas les fratés, ça fait 1 peu moins qu'un an en fait, hein. Puisque j'ai fait le cross en septembre. En vérité, ça fait que 7 mois que je suis pas passé à la télé. T'es dans ma tête, j'avais l'impression que ça faisait 1 an et demi. Bon, ben, ça fait 7 mois alors. Voilà. Mais c'est vrai que d'habitude, je suis à la télé à 7 mois dans l'année. En tout cas, cette année, c'est bien reparti. Pour cette année, je devrais être sur vos écrans plusieurs mois. Voilà. Alors, frater, cette question me revient beaucoup. Et j'ai déjà répondu. Je vais re-répondre parce que vraiment, elle est omniprésente, la question. Je ne peux toujours pas lever mes bras. C'est-à-dire que même si j'ai envie de faire les 50, pour l'instant, quoi qu'il arrive, je peux pas faire le. Tu sais, avant de faire une émission de télé, il faut que tu ailles voir un médecin du sport qui te dit que tu es apte à faire du sport. Je ne suis clairement pas apte à faire du sport. C'est-à-dire que même si j'ai la plus grosse proposition du monde pour faire les 50, même si j'ai la plus grosse envie du monde de faire les 50, pour l'instant, il m'est impossible de faire les 50. Parce que je ne peux pas lever mes bras, tu vois. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas faire d'exercice physique. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué. Vrai de vrai, hein. Il n'y a pas mieux que ces gros 4x4 là. Le matin comme ça là. Là, je ne me voyais pas du tout démarrer une Ferrari là. Oh, mais alors, pas du tout. Confortabilité. Ah ouais. Le max, ça va mieux, mais j'ai un peu des douleurs, mais ça va. En tout cas, Thiago s'est réveillé là. J'étais pas prêt, il s'est réveillé. Il m'a mis en retard. Papa, un petit Nesquik, papa, je veux le dessin animé. Du coup, ça m'a un peu, ça m'a pris 10 minutes. Je suis un peu à la bourre maintenant. Bon, c'est pas grave, hein. Mon fils avant tout. Hein. Voilà, c'est pas grave. Go, on y va. Pas en forme. Par contre, les fratés, se balader le matin, c'est vraiment la vie. Il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Il y a moi et les gens qui bossent. C'est tout. C'est un truc de ouf. Dubaï, c'est un truc de ouf. Voilà, j'y arrive. Allez, let's go, let's go. Ben voilà, massage terminé, ça fait vraiment du bien. Ouf. Ça prend forme là, c'est en train de prendre forme. Il commence à y avoir quelque chose là. Ah, on est sur quelque chose de sympa là. Mes fratés, je suis à la maison tranquille, ça y est. Du coup, avant d'attaquer le tournage, là hier, je vous ai mis un petit message, posez-moi une question. Du coup, ben, je vais répondre un petit peu à vos questions. Voilà, c'est parti. Let's go.
Alors, en anglais, niveau anglais, alors écoute, là franchement, ils sont en train de prendre un niveau très compliqué pour moi. Donc j'arrive à dépatouiller quelques phrases, quelques mots, mais des fois ils rentrent dans des discussions qui sont très compliquées pour moi. Pourtant, Angelina encore, j'arrive à gérer. Elle a que 2 ans et demi. Mais Thiago, 5 ans, ça y est, il a pris une dimension, une ampleur terrible en anglais. Donc là, je gère plus. Thiago, il arrive bien à faire la différence entre l'anglais et le français. Donc, il me parle en français. Et quand il parle en anglais, je comprends rien. Je dis à tout le monde que c'est mon translator. C'est lui qui me translate. Et Angelina, par contre, elle a tendance à s'exprimer en anglais plutôt qu'en français. Du coup, ben là, ça devient compliqué pour moi. Mais comme elle a 2 ans et demi, je gère encore, tu vois. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, je vais être perdu. Hein. Et après, moi par exemple, si je prends l'exemple de mon père, sa mère parlait en italien et lui, il apprenait le français. Donc ça veut dire qu'il arrivait à faire la part des choses. Parce que dans le sud de la France, il y a beaucoup d'Italiens. Et du coup, bah, dans la maison, les gens, ils parlaient italien, mais du coup, comme ils étaient en France, ils apprenaient le français. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici, quoi. Voilà. Alors, Fraté, non, j'ai juste fait un truc qui s'appelle une lipo HD, haute définition. Voilà. Donc, j'ai pas lifté rien du tout. Non, juste une lipo HD. Mais ça fait très mal. Hein. Ça fait un mois pile aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait un mois pile. J'arrive toujours pas à lever le bras. Ah, j'arrive là. Je sors du massage. Quand je sors du massage, c'est de la bombe. Je me sens tellement frais quand je sors du massage. Allez, allez. Ah, ah ouais? Je pense que les cheveux longs, c'est pas fait pour moi. Je veux essayer. J'étais bien lancé là. Je suis sur une bonne lancée là. Et même moi, je crois que c'est pas pour moi en vrai. Tu vois, même moi, je sais plus quoi faire. Je crois que c'est pas pour moi, hein. Je crois que tu as raison, je me le dis, hein. Je me le dis, je me vois la face, je me dis ça pousse, c'est cool. Je sais plus quoi faire. Eh bien, Fraté, écoute, pour l'instant, c'est pas prévu, hein. Moi, on m'a peut-être pas prévenu encore, peut-être, hein. Autant à tout moment, on me le dit au dernier moment. Mais pour l'instant, il n'y a pas de Marseille contre le reste du monde prévu. Il n'y a pas de Marseillais simple prévu. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est la famille sur W9 qui commence le 3 juillet. Donc voilà, on va être sur votre écran tout l'été. Du 3 juillet jusqu'à fin août. On sera là avec vous. Ça, c'est sûr. Alors, Fraté, tu sais qu'on me pose souvent cette question. On me pose souvent donc du Canada, de la Belgique. Et après, je ne sais plus quel pays aussi on m'a demandé. Écoute, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ça m'étonne que dans les pays francophones, vous n'avez pas les chaînes françaises. C'est bizarre, ça. J'ai aucune idée, les gars. Moi, en tout cas, de Dubaï ici, j'arrive à choper des chaînes françaises. Voilà. Peut-être renseignez-vous. Alors, normalement, je crois que c'est 5 semaines. Après, tu peux commencer à faire des exercices physiques. Mais là, franchement, après, ça dépend des corps et tout, ça dépend des douleurs. Là, je ne me vois pas du tout me mettre en mode, vas-y, je vais faire un footing. C'est impossible. J'ai tout qui me brûle. Ça me brûle ici, dessous, là, 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 le dos, pas vraiment dans le dos, mais à l'arrière, là, sur les côtés. Ah non, mais pour l'instant, c'est pratiquement impossible de toucher mon ventre, à part là, parce qu'en dessous, j'ai la gaine, tu vois, en dessous, une petite gaine. Mais sinon, c'est très compliqué, hein. Très, très compliqué, hein. Les sensations, ouais, c'est une dinguerie. Dinguerie. Voilà.